Voilà, autre réaction, c'est celle de Marine Le Pen qui a répondu tout à l'heure à nos questions sur Itélé, la candidate du Front National, est notamment revenue sur cette annonce concernant l'immigration régulière que Nicolas Sarkozy veut réduire de moitié. Alors, est-ce qu'elle est satisfaite de cette annonce? Écoutez sa réaction. J'ai encore rajeuni. J'ai pris ma petite cure de jouvence. S'il parle tous les jours, ça va finir. Je vais finir par retrouver mes 20 ans, cher monsieur. Parce que j'avais déjà entendu ces promesses-là en 2007. Il fallait réguler l'immigration de manière ferme. Et la réalité, c'est que l'immigration n'a cessé d'augmenter sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Alors, il peut toujours multiplier les promesses. Il n'y a qu'un malheur, c'est que les Français n'y croient plus. Voilà, les Français ne croient plus en cet homme. Ils ne croient plus dans les promesses qu'il multiplie. Et je crains que tout cela soit inutile de sa part. Honnêtement, je ne veux pas passer ma campagne présidentielle à commenter les 4 sondages par jour complètement contradictoires qui interviennent en permanence. Hier, on prend 2 points, dans l'autre, on perd 2 points. Bon, ça va, stop, faisons la campagne, parlons des grands sujets.